Hey, thank you guys all for coming out. I just wanted to say congratulations to my friend Justice Young for making it through all the trade speculation. Yeah, let's put all that mess behind us. Let's focus on the season. Glad to have you on the squad, man. Oh, man. And to my boy Denver for making it back to the team. Hey, thank God, man. The D-League don't have the same amenities, boy. Well, D-League's all right. I mean, we got a lot of good players working their way up through there. Yeah, but that toast wasn't about them. But they're enjoying it down there. Anyways, on to the playoffs. Yay. That's right, playoffs, here we come. What's up? How you doing, Al? Hey, Frez. I was actually in the neighborhood and just wanted to talk to you real quick. I tried calling you. Oh, yeah, I'm sorry about that. Things been crazy hectic with practice and schedule and everything. I'm sorry I didn't call you back. Yeah, I mean, I get it. You're in the NBA and you should be focused on that. Come in. Let's... Actually, this will be kind of quick. I just wanted to talk to you. I'm transferring and things are going to get really hectic for me. And so that's what I think we should talk about. Okay, so what does that mean for us? I think we should take some time and some space for a little while. All right, if you feel like that's what you need, then... I mean, I think we both need it. But that's kind of how I feel. Yeah, I mean, it is kind of unfair to you to be out all the time and not calling you back on time, and you definitely deserve better than that. So, yeah, I mean, I hope we can still be friends. Yes, we can still be friends. I gotta go, okay? All right. Justice, it's done. Yo tout le monde, c'est Fab, j'espère que vous avez la forme, que c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis sur NBA 2K17. Nous sommes sur le petit mode ma carrière. Les amis, on a chaud concours de dunk comme vous le savez. Mais faut pas se laisser abattre, faut continuer de travailler, il faut continuer de progresser. Les playoffs arrivent à grands pas les amis, on a seulement plus de 13 matchs. On est actuellement le mieux placé pour finir rookie de l'année les gars. Et on est quand même deuxième de conférence. Mais les mecs, on rentre directement dans le bain. Parce que là les gens, tout de suite. Et puis on affronte les San Antonio Spurs. Alors on va se concentrer et on va leur casser les fesses. On se retrouve au match et voilà quoi, tout de suite. Ok les potes, on est parti pour ce match des familles contre les San Antonio Spurs à l'extérieur les amis, donc chez eux. Et il faut savoir, putain je bafouille de ouf là. Il faut savoir qu'en vrai les amis, les San Antonio Spurs à l'extérieur sont sur un fucking bon bilan, si je dis pas de bêtises, genre 12-13 victoires consécutives, enfin ils sont invaincus à l'extérieur, mais en vrai à domicile ils ont un petit peu de mal, 5 victoires pour 4 défaites, enfin ils ont perdu pas mal de fois en 4 défaites parce qu'ils ont seulement 4 défaites dans le bilan. Bref, on se retrouve face à une équipe des Spurs qui est quand même pas mal, qui est deuxième IRL de l'Ouest, qui dans le jeu a un petit peu de mal, ils sont sixième si je dis pas de conneries dans le jeu. Donc c'est très important de les battre parce qu'il faut savoir que je suis deuxième de conférence avec les Kings. Mais que derrière ça pousse très très fort, c'est vraiment extrêmement serré avec les Rockets, avec les Timberwolves et puis plein d'autres équipes que vous avez pu voir juste avant les gars. Donc on va se concentrer, on va le concentrer tout match avec notre petite arrière des familles qui commence à être vraiment, enfin encore heureux, on est sur une fin de saison donc encore heureux, la petite fosse. Qui commence à être vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Je commence à bien savoir le contrôler. Je commence à avoir quand même un bon shoot externe. Parce que j'ai pas mal augmenté mon tir enchaîné. À avoir un bonhomme quand même assez costaud. Qui se fait un petit peu moins bouger le cul. Lorsqu'il rentre dans la raquette. Donc on commence vraiment à être pas mal. Et ce qui est sympa, c'est qu'on est en fin de saison. Donc encore heureux que je commence à être pas mal. Mais on arrive sur les playoffs. Donc on va pouvoir essayer de faire quelque chose de sympa en playoffs. J'ai vraiment pas à quoi m'attendre. On joue le titre, bien évidemment, on est deux zones de conférence et on joue c'est pour gagner. Mais je sais vraiment pas du tout personnellement à quoi m'attendre avec les Kings, ce que ça va donner au playoff. Ok, on coupe, non. Hop, on y va à droite. Oh là là, elle y va. Dommage. Je sais pas pourquoi je suis froid. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je sais pas pourquoi j'ai froid. J'avais pas pris un shoot encore. J'avais pas encore pris un seul shoot.
que mon bonhomme, il est froid, c'est pas normal, les gars. Allez, 4-0 pour eux, les gars. En tout cas, j'enchaîne les bonnes performances dernièrement. Avec, hop, ok, je vais à droite. Tranquille, tranquille, on va éviter de trop se fatiguer. Je te demande un petit écran, s'il te plaît. Hop, tranquille, tranquille, ton écran, il est totalement dégueulasse. Un écran pour toi. Vas-y, gros, pique-elle, repique-elle. Ok, je coupe. Oh là 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 là. Il est en galère. On va au rebond, dommage. Ce début de match est compliqué, hein. Kawhi, bah, il va finir, évidemment. Voilà, le petit deuxième pour lui. Je sais pas pourquoi mon bonhomme, il est froid pour commencer le match. Pourtant, je suis une pile électrique. Pourtant, j'ai pris qu'un shoot, mais le shoot, je le prends, je suis directement froid. Je sais pas, je comprends pas trop. Tu m'as vu derrière. On y va, ok. Je veux jouer avec toi, je coupe. Non. Oh là 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 là, il n'y a pas de rip dans ce début de match, les amis. Je joue tout seul, en plus, Justice, il croque un peu. Il va pas avoir le temps. Je protège. Vas-y, mon pote. J'ai le rebond, c'est bon. Et là, j'y vais. Oh là là, je me fais bâche. On récupère. Oh là 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 là. En tout cas, les gars, ça risque d'être un match très compliqué. Je vais essayer de bien rentrer dedans. Éviter de parler trop de choses en dehors, les amis, sachant que j'ai plein de petits trucs qui vont arriver, comme une vidéo que je vais essayer. Enfin, je vais essayer de vous faire bientôt. Hop, on est tout seul. On le met celui-là. Non, mais les gens, c'est censé rentrer, là. C'est pas possible. C'est un match compliqué, là. Ok, Justice, tu le mets, gros. Je rebond. Ok, bien joué. Je sais pas pourquoi je loupe en plus. Enfin bref, c'est pas grave. On va rentrer dans le match. On est sur un 0 sur 3. C'est pas grave. Le match est encore très très long. On a largement le temps de le faire. Mais ouais, je vous disais, les gars, que je vais essayer de vous faire un petit match. On va tester. C'était pas à nous dire déjà là ce que vous en pensez. Mais on en parlera en temps voulu. Mais dans les semaines qui arrivent. Ok, cousine qui me chope mon rebond. On va essayer de faire un petit vidéo macaire en condensé. Vous savez, de 10 minutes max. Cousine, GG gros. Histoire de voir si vous préférez ou pas, parce que c'est vrai que les vidéos de ma carrière restent assez longues, donc c'est un format assez long, donc ça, c'est pas forcément évident, mais on va voir ça, on va essayer. Ok, les mecs, quand même 8-5 pour eux, les amis. On prend que un rebond et on se fait contrer une fois, autant dire. Ok, on est tout seul encore, et là on le met. Ah, le perfect, voilà, c'est pas compliqué, les gens. Owen, juste sac, ça c'est pas mal, j'ai dit activé, mais pas du tout. Allez, les gars, concentrés, 8-7 pour eux. En plus, on est sur une série de 2 victoires consécutives. Mais genre, 2 victoires de malade. On a foutu une branlée aux Nuggets. On a foutu une tôle aux Thunder. 20 points, on leur met dans les dents. Mais on a réussi à perdre contre Phoenix. Mais bref, on est sur une petite série. Donc, ce serait intelligent et intéressant de gagner contre une équipe rivale de l'Ouest. On le rebond, on n'y arrive pas. Oh là 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 là. Fuck ! Il le met. 11-7, les gars. 2 points. Un rebond. Ok, je vais direct avec moi, je t'ai vu, l'ami. Je coupe, tu l'as vu? Non, il m'a pas vu, je vais au rebond. Bien joué, ça, mon pote. Ça me coule pas la passe D, c'est dommage. 11-9, les gars, allez, on y va jusqu'au bout. 4 minutes avant la fin du premier quart-temps. Le coach va pas tarder à me sortir. Généralement, il me sort 2-3 minutes avant la fin du premier quart. Il me fait jouer là, presque la totalité du deuxième. Hop, allez, les gars, non, je suis au rebond. Oh là 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 là. Putain, ils ont une précision extérieure lors de ce match, c'est ouf. Je vais faire l'écran, gros. Sans faute. Je coupe. Non, on n'y arrive pas. Tiens, Toli. Tranquille. Tu m'as vu. Et là, je finis. Voilà le 2-9. Voilà, les gars. On se réveille gentiment. Mais sûrement, les gars. En mode diesel. C'est ça, mon pote. Allez, 14-11. Allez, 14-11, les gars. On est sur une moyenne de 23 points par match. On a même réussi à faire le premier triple-double dernièrement. Enfin, on fait vraiment des gros coups matchs, les gars. Donc, ce serait vraiment sympa de se concentrer. Voilà. Ce serait vraiment sympa d'y arriver. Avec ouais, l'équipe aussi qui fait vraiment confiance. Et qui me donne pas mal de ballons. Hop, je t'ai vu, tu finis, mon pote. Voilà, c'est pas compliqué, Toliver. Toliver, c'est un petit peu, comment dire, en fait, dans chaque équipe, vous avez votre maillon faible, tu vois. Et toujours, dans chaque équipe, vous avez un joueur qui est pas super, un joueur qui est assez décevant et qu'on aime pas trop. Et bien moi, au Sacramento Kings, c'est Toliver, tu vois. Au Sacramento Kings, c'est Toliver. Je ne comprends pas pourquoi il est utilitaire, ce mec. Ok, le coach me sort, comme je l'avais dit, il me rentre. Au début du deuxième quart-temps, 20 à 19 pour nous, les amis. Pour eux, pardon. Ok, je coupe. Et pour moi, c'est vraiment Toliver. Oh là là, mais les gars, arrêtez ces pertes de balles pour un, s'il vous plaît. C'est bon, concentrez-vous, quoi, un minimum. C'est pas, je précise, hein, c'est pas de la rage, c'est pas... C'est juste que je vis mon match, comme vous le savez. Enfin, oh là, interception, dommage, pas de réussite, pas de chance. On essaye encore. C'est juste que je vis mes matchs à 200%, donc forcément... C'est assez énervant qu'on voit ce genre de choses là, les gars. Ok, on reste bien sur green. En face, avec nos Spurs, qui est avec un petit Tony Parker, hein, qui trouve. Oh là 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 là. Il enchaîne, franchement. Il enchaîne.
En face, c'est du Parker qu'on voit pas forcément trop pour le moment. Allez hop, on coupe. Laisse-moi passer, Queen, il défend super bien. Mais sérieux, mais non, mais... Mais les gars, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Mec, c'est deux fois, tu peux foirer une passe, tu vois, ça arrive. Mais deux de suite, les gars, quoi, c'est pas normal. C'est pas, y a un problème, quoi. Bah, c'est les Kings, hein, on est d'accord, mais... dans le jeu, ils sont vraiment hyper sous-estimés. Mais s'il vous plaît, quoi, restez concentrés, quoi. 4 points, rebond, une passe décisive, on se bâche une fois. Allez, on va au rebond, les gars. Il le met. Oh là là. Et eux, par contre, ils enchaînent. Hein. C'est ouf. Allez, on va essayer du coup de croquer un peu, hein, écoute. Là, l'équipe a l'air d'être à la roue totale. On va essayer de croquer un petit peu. Ok, on y va. On a la faute, GG. Allez, mec, on enchaîne les deux, là. L'équipe a besoin de nous, on le sait. Et 2-1. Allez, on met le deuxième, les mecs. On porte nos couronnes. Vamos. Voilà, parfait les gars. Et le deuxième lancé, 21-24, 3 points de retard. Allez les gars, on se réveille. Impossible, pas de dunk, vous-même vous le savez. Non, voilà. C'est bien joué, voilà, c'est bien joué gros. C'est bien joué. Et en plus on est sur un score vraiment ridicule quand même là. En fait j'ai l'impression qu'on part sur un match de type moyen. On part vraiment sur un match de type moyen avec un petit score de type proie départemental. Assez bizarre. C'est pas le genre de match qui restera dans les annales pour le moment. Hop, interception, non. Allez. Faut défendre les mecs, justice, défends bien s'il te plaît. Ça ne doit pas passer. Non, ça ne passe pas, je t'ai dit, belle défense de ma part. Il le met quand même. Allez, 5 points de retard. Vamos les gars, on va porter nos coronets, on va porter l'équipe avec. Ok, on y va. Oh là, ça défend vraiment bien, tu m'as vu. Oh, catch and shot, on l'enchaîne. Non, mais mec, je me fais trop, c'est pas possible, là. Le tir il est perfect. Et pourquoi je suis froid, sérieux? Pourquoi je suis froid, mon bon ami? Il a quoi, là? Il est pas en forme? C'est quoi le problème? Ok, la défense, bien joué, Rudy. Hop, on enchaîne et je fais la faute. Oh là. Je fais ce que je peux, les gars, là. Là, j'ai l'impression que l'équipe est un petit peu à la rue. A vraiment un gros coup de dur. Et j'essaye vraiment, du coup, d'être partout, mais... Ça fait que je défends pas super bien sur mon défenseur. Ah, sur mon attaquant, pardon, donc... C'est assez compliqué. Hop, on essaie de passer. Ok, tu m'as vu. On finit. Et on est à l'ON1. Voilà, les gars. Suivez-moi, les mecs, je vais vous montrer le chemin. Appelez-moi Moïse. Allez, les gens. Et le perfect, voilà. Allez, les mecs, on y va. 24-28. C'est pas grave, même si je mets tous les points de mon équipe, ça me dérange pas tant qu'on reste dans la course, les gens. 9 points, un rebond, une passe décisive. On est rentré dans notre match gentiment au niveau du premier quart-temps, mais... Ok, allez Tony, je vais au rebond. Voilà, bien joué, cousine. Tranquille, Justice, tranquille, si c'est pour faire de l'ado. Voilà, moi j'y vais, et on y va, on finit. Oh, bien joué. Oh non, comment on a loupé ça? Pourquoi on a loupé ça? C'était trop beau. C'était trop beau, les gars. Ah, oh, c'est dommage. Ah, oh, franchement, c'est hyper dommage. Ah, oh, ligne de passe, non. Allez, Rudy, tu défends bien. S'il te plaît, Rudy, tu te fais pas bolos comme une merde. Il va prendre le shoot, voilà, c'était sûr. Voilà, j'ai le petit rebond, tiens, mon pote. Justice des familles, aucun, bien, t'as vu Posey. Voilà, on est tout seul, on a notre petit. Hop, je t'ai vu, l'ami, prends le shoot. Mais qu'est-ce que t'attends, mec? Pourquoi t'as pas pris le shoot? Voilà, bien joué, gros. Je comprends pas pourquoi. Bon, derrière, c'est bien joué parce que Cousine le met, tu vois. Mais je comprends pas pourquoi Tolliver, il est là en mode. Je fais quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, Tolliver, je l'aime pas, les gars. Je passe ma vie, je passe mon temps à le trop choquer. Tolliver, c'est le mec, voilà, c'est. Je sais pas, je l'aime pas, ce mec, je l'aime pas. Hop, allez, les mecs, tiens, je t'ai vu. Oh, bien joué, ça, les gars. Voilà, on commence à se réveiller, on revient à 28-28, c'est pas mal. C'est bien, les gars. Allez, les gens, à fond. Concentre-moi très mal, comme d'habitude. Évidemment, je bafouille un petit peu. Je voulais parler pas mal d'actualité, pas mal des projets à venir, mais étant donné que le match demande un petit peu de concentration, c'est assez compliqué, on le rebond. Voilà, le quatrième, tiens, Justice. Ah, c'est toi qui mène la danse, même si dans le money time, c'est plutôt moi qui vais y aller. Encore le bolos. Oh, le bâtard! C'est pas ce que je voulais faire en plus. Mec, je me fais victimiser pour l'instant. On y est. On fait une bonne photo, ok, ça passe. Mais la Marcus, il a une paluche, mon gars, mais... Je pensais pas. Allez, loupe le deuxième. Ou loupe le... Oh, ok, loupe pas le premier, le coach me sort. Mais mec, je joue pas beaucoup dans ce match. C'est hallucinant. Hein.
Il joue pas beaucoup, hein. En tout cas, fin de la première mi-temps, les amis. On les menait 41 à 34. 34 points seulement en une mi-temps. C'est absolument ridicule, c'est absolument dégueulasse. Mais on va revenir, on va porter notre équipe. On va essayer du moins de porter notre équipe. On va essayer de jouer beaucoup mieux. De toute façon, ça peut pas être pire que cette première mi-temps, même si on a montré de très très belles choses. J'espère en tout cas que vous prenez plaisir, même si pour le moment on est sur un match pas superbe. Moi je vais essayer vraiment de porter mon équipe sur le deuxième et de vous proposer quelque chose de vraiment mieux, de proposer à nos supporters quelque chose de vraiment mieux. Donc let's go baby. Ok les potes, c'est parti pour cette deuxième mi-temps les gars. Deuxième mi-temps hyper importante, je dois vous montrer que je suis le patron. Après un concours de dunk assez décevant, on va pas se le cacher. Ok ma vue, hop, je te demande un écran Toli à droite. Voilà, tu fais un écran absolument dégueulasse. On fait le double. Alors, la vidéo que je vous ai proposée il y a quelques jours sur le parc, je me fais victimiser avec des bâches. Et là, la Marcus, clairement. Waouh! Ok, d'accord. Allez, salut. C'est pas grave, on va pas se laisser aller, les gars. On va pas se laisser aller comme ça. On va pas se laisser faire. On porte l'équipe à nouveau. Tiens, Justice, je t'ai vu. T'aurais pu. Oh, il le fait. J'allais dire. Tu... Voilà, bien joué, ça, mon pote. La petite passe des familles. Au passage. Parfait, les gars. Et si Parker y arrive quand? Ok, ils sont en train de dire que Parker est à la rue, mais pas du tout, les gars. Hein, parce que là, on est mêlés de 5 petits points, on est loin d'être au devant et il est loin d'être à la rue. Il mène son équipe vers le haut plus loin, donc arrêtez de dire des conneries. Défense les gars, défense, ok. Je voulais une prise à deux, on est... Ouh putain, je pensais qu'il allait prendre le shoot. Allez les gars, tu te laisses pas faire Rudy. Ah, voilà, ouh, bien joué des Marcus. Le petit match des familles qui passe quand même. Et en plus, on récupère le ballon, c'est parfait ça les gens. Allez les mecs, faut remonter très rapidement les gars. Avant la fin du troisième quart temps, faudrait qu'on soit repassé devant. Ce serait vraiment le feu. Ok, je coupe, ok, je coupe, ok, tu m'as vu. Dommage, c'est bien qu'il ait la faute, mais c'est dommage parce que j'arrive à couper. Allez, mets les deux, mon pote. Comme ça, on revient à 3 points. Ah, dommage. Dommage, dommage. Et il met le deuxième, ok, c'est bien, mon pote. Boogie qui fait quand même une bonne saison dans l'ensemble, je trouve, même si l'équipe a un petit peu mal à gagner. Avec, dans l'équipe, Matt Burn, qui lui est copain-copain, bon, on le sait, hein, c'est pas un secret, mais un petit peu copain-copain. Ok, prise à deux, non, on retourne sur notre joueur. Ok, on savait qu'il allait faire ça, c'était sûr. Attention, les gars. Putain, ils... Je trouve qu'ils ont vachement d'espace, en plus, en eurobond, mais le mec. Je trouve qu'ils ont vachement d'espace, les gars, on leur laisse... On laisse trop d'espace, là, c'est pas normal. C'est un truc de ouf, ils font ce qu'ils veulent. Allez, les gars, on y va, non, tu m'as vu. Oh! Oh, le dunk, bien joué! Oh, c'est bien joué, les gars! En fait, ils passent... Dunk, enfin c'est alley-oop, je m'y attends pas du tout, donc ça fait une feinte. Et d'ailleurs, enfin bref, bien joué les gars. Ça c'est bien joué les gars. Allez, 39-43 les gars. Allez les mecs, on est formé sur green. En fait, on passe sur... Non, on passe pas sur gazole, rebond les gars, rebond les gars. Oh là là, je me fais bloquer sur rebond. C'était pour la photo, c'était pour la photo, pour la miniature. Allez, 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 allez. S'il vous plaît les gars, faut pas le laisser passer, faut pas non plus faire... Voilà. Non mais... Les mecs, tu dois prendre le ballon, s'il te plaît, quoi. Ils ont plus que 11 secondes. 11 secondes. Si on arrive à prendre ce ballon, à gagner la possession, les gens, ce serait vraiment le fond de rebond. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Tony Parker qui laisse... Voilà, qui... Il a l'espace, il plante, quoi. 11 points, 4 rebonds de passer, les gens. J'arrête de dire les gens, c'est assez relou de dire tout le temps la même chose. Ok, on y va. Ok, on y va. Oh là là, la belle défense. Je demande à l'écran un petit pick and roll, si tu veux. On s'en bat les reins. Ok, je joue direct avec moi. Oh, je t'ai vu, mon pote. J'y vais, j'y vais. Oh, tu m'as vu. Oh oui, oh oui. Mais oui, de dunk. Bien joué, ça, mon pote. Orange is activated en plus. Bien joué, ça, mon pote. Ça, c'était propre. Allez, 41 à 45, les gars. J'ai dit qu'on allait porter l'équipe. Et c'est ce qu'on fait, les gars. Pardon, excusez-moi. Je bafouille un petit peu. 13 points, 4 rebonds de passe des. Deux petites fautes. On se les bâche deux fois. Oh là là. Voilà. Bien, wesh, ça. Redonne-la-moi. Hop, on y va en trace. Allez hop, on y va. Pas de perte de balle, je t'ai vu. Ah, oh, c'est bien joué. Et tu finis. Bien joué, ça, les gars. Allez, on revient. Deux petits points, là. Bien joué. On était mal barré sur la première mi-temps, mais là, on propose une deuxième mi-temps qui est pas du tout pareil. Ça fait vraiment plaisir. Et à bien rester sur le tir externe. Je veux des gars qui a vraiment du mal. Ok, on est bien dessus. Pas de faute. Et ça rentre pas. Voilà. Une bonne petite défense. Rudy, fais pas le con. Dommage. Oh, le rebond, bien joué. Et fini, GG. Égalité, les gars. Mais apparemment, on a Cousine qui va partir de la rentrée avec Kohlenstein qui va passer. Kohlenstein, pardon. Allez, Justice. Allez, Justice.
Je sais, je dis beaucoup la même chose, beaucoup à l'injustice, etc., beaucoup d'encouragement. Mais voilà, c'est un match assez, assez intense, entre guillemets, donc il demande vachement de concentration, je m'excuse. On va au rebond. Voilà, bien joué, Demarcus. Allez, vamos. Non, prends pas le tir forcé, tiens, mon pote. Voilà, pas de faute. Tu m'as vu derrière. Non, c'est con, ça, mon pote. Là, mec, tu t'es... C'est dommage. C'est pas grave. Il est tout seul, on y va. Vous avez vu le mec, là, avec le numéro 19 dans le dos qui a sauté en mode... Regardez ça. Hop. Ça passe quand même, les gars, on a rien vu. Hop, allons, coupe. Non, tu m'as vu. On essaie d'y aller. Hop, le petit double pas. Et on finit. Voilà, bien joué ça les mecs. Allez, ça passe crème. Bien joué ça. 47-47. 2040 avant la fin du troisième quart-temps. 4.4 rebonds, 2 passes décisives. Niveau défense, on n'a pas trop... on n'est pas trop là au niveau de la défense en fait. On n'est pas au top. On fait un bon troisième quart-temps. Mais on n'est pas trop là au niveau de la défense. Pas de compte, pas d'interception. Mais on entend... Oh là là. Il y en a un plus en défense comme un cul, il est même. Oh là, pourquoi j'essaie trop d'anticiper des fois, mais Green, c'est un putain de shooter, les gars. Ok, tiens, Justice. Et en plus, il défend super bien, joue au rebond. Bien joué ça, merci Rudy. Merci mon pote, 50-50. 2 minutes avant la fin du troisième quart. Allez, vamos, les gars. On peut passer devant avant la fin. On a égalité, c'est déjà pas mal, mais qu'ils prennent pas d'avance. Oh là là, et je galère à défendre sur Green, les gars, je sais pas ce que ça... Oh oui! Allons, récupère! Non! Mais ça, c'est de la grosse tocha, mon pote, là! Je passe sur Parker, non? Interception, non! Oh là 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 là! Je l'ai même baladeuse, en plus. Et hop, le rebond, bien joué ça. Hop, allez, on mène la danse, les gars. Un écran. Ok. On y va. Le petit double pas. J'ai plus d'énergie, mon bonhomme il est totalement HS, donc ça aurait fait un truc totalement forcé. Oh là là, les 3 secondes, Tolly, il est bolos. J'ai pris le shoot rapidement parce que j'ai cru que Tolliver allait se faire bolos pour les 3 secondes. Je pensais qu'il allait les avoir, mais dommage, j'ai gâché une occasion. Allez, les gars, une de passe, non. Allez, on l'encaisse pas celle-ci, les gars. Défense Tolly, je rebond. Voilà, et le 6ème, les gens, tiens mon pote. Tranquille. Je dis tranquille parce qu'ils défendent vraiment dur, donc. On y va. Allez, là, on le met, ce petit double pas. Non! Mais non, voilà ce que je vous disais. C'est pour ça que je l'ai pas fait tout à l'heure. Ok, on a les mains baladeuses, mais ça marche toujours pas. C'est que quand je suis un peu fatigué, ça fait des tirs un peu forcés. Yes! Bien joué, mon pote. Oh là, j'ai cru qu'il allait là. Tu m'as vu, gros. Je suis au rebond. Bien joué. J'ai cru qu'il allait me faire un petit passé loup. 23 secondes, les gens. On est passé devant. Si on pouvait ne pas encaisser ce panier-là, les mecs, ça serait super cool. Rudy, tu défends bien. Si on pouvait même réussir à intercepter et à récupérer la possession et aller planter un autre panier derrière, ça serait cool, mais je pense pas. Non, on n'aura pas le temps. Marcus, on va l'aider. Voilà. Et en plus, on le bâche, les gars. C'est pas nous, mais on le bâche, on a bien aidé. Fin du troisième carton, les amis, on mène 52 à 50. On a un carton et une deuxième mi-temps qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on a pu vous proposer lors de cette première mi-temps qui était totalement dégueulasse. On va pas se le cacher. Donc les mecs, c'est parti pour le quatrième carton. C'est maintenant que tout se joue, c'est maintenant que je dois être bon. En tout cas, le coach m'a sorti, il me rentre 5 minutes avant la fin du match. On mène 58 à 57, donc ça va, on a scoré, on sait pas trop... On n'a pas trop pris cher, on défend sur Manu Ginobili, pardon. Oh là là, mais gros, là, non. S'il vous plaît, quoi. Faites pas ça. On va essayer de porter l'équipe maintenant. Maintenant. Voilà. Ça, c'était propre, les gens. Le petit double pas, propre. Oh. Bien joué, ça, les gars. C'est bien joué, ça. 60-59. Interception, non. Allez, faut qu'on mette cher à Gino, les gars. Faut le faire regretter. Bon, c'est pas gentil, ce que je veux dire. Allez, mon gars, le bâche! J'ai dit quoi, les gars? Faut qu'on lui fasse regretter de ne pas avoir pris sa retraite. C'est un peu méchant. Mais, les gars, voilà, on est dans le jeu, là. Hein, on n'est pas là pour enfiler des perles, comme on l'a dit tout à l'heure. Ah, bonne défense sur Gino. On économise un petit peu notre énergie, quand même. Histoire de pouvoir assumer les derniers shoots, les tirs importants dans le money time.
On y entre bientôt en plus. Non, ça passe pas. Oh là 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 là. Mais mec, mais Kawhi il rentre absolument tout, c'est incroyable. Kawhi il rentre absolument tout, c'est incroyable. On y va, on coupe. On va demander le tir externe, tu m'as vu. Allez, catch and shot les mecs, qu'est-ce qu'on le met. Mec, oh DiMarcus. Il a la faute en plus, bien joué ça. Le N1, allez mon pote, t'assumes. Et tu assures surtout. Bien joué ça. Allez les gens, deux petits points d'avance, 17 points, 6 rebonds, 1 contre, 2 petites passes décisives. On a un match de notre part qui n'est pas exceptionnel. Mais si on pouvait mettre les shoots qu'il faut au bon moment, c'est-à-dire être clutch, ce serait vraiment super sympa. Ce serait vraiment super important. Voilà, bien joué ça les gars. Et tu vas finir gros. Et le petit dunk signé Justice Young. Moi je vois. Bien joué ça. Allez, 3 minutes 30 les mecs. 3 petites minutes 30 à tenir. Pat Mills, faut pas le laisser passer. Très bon défenseur, bon scoreur. Enfin, c'est un bon petit 6ème homme en fait. Oh là là, forcément qu'il le prend le shoot. Oh mais mec. Mais il est abusé, Kawhi, il rentre absolument tout. Pourtant, enfin, moi j'ai l'impression qu'il est à 11 points à 4 sur 7, mais j'ai l'impression qu'il rentre tout. Enfin, il rentre les tirs qu'il faut en fait. On y va, Justice. Tu le prends et tu le mets sur tout. Dommage. On a le rebond. Tiens, cousine. Non, pourquoi tu forces? Mec, j'allais décaler sur la droite, j'allais couper, j'allais flasher. Oh, c'est dommage. On aurait pu prendre un petit peu d'avance. Hop, rebond. Rebond, défense, pardon. Allez, tu l'as déformé, mon pote. Interception. Voilà, bonne défense, les mecs. Oh là là, il m'a un petit peu volé, on y va. Et encore le bas sur Gino, les gars. Mais oui, mon pote. Mais oui, mon pote. Qu'est-ce que tu crois? Ah, Tully, je t'ai vu. Tully, tu plantes. Mais oui, mon pote, tu ne feras pas. On est clutch, les gars. On est clutch. On est en plein dans le money time. Et on défend super bien. On attaque super bien. Tout à l'heure, en plus, je vous en parlais, je vous le disais, que j'étais pas encore super bien rentré dans le match au niveau de la défense. Et là, on est vraiment super bien. Ginobili, actuellement, on est en train vraiment de le martyriser. On est en train de le mettre totalement dans le mal. Donc ça fait vraiment super plaisir. En plus, on commence à être un bon défenseur, hein, parce qu'on a à 2-3 comptes par match. C'est vraiment pas dégueulasse. Donc c'est vraiment pas mal. Mais maintenant, voilà. Ah, la faute inutile. Mais derrière, faut qu'on assume et faut qu'on gagne. Parce que si c'est pour faire quelques contres et derrière, ne pas réussir à enchaîner un petit peu comme à Asad Whiteside, quoi. Qui a fait des matchs de folie. Mais qui derrière, voilà, ça permet pas à l'équipe de gagner. Oh, bien joué ça. Bien joué ça. Ah, tu m'as vu, tranquille, tranquille. Hop, je vais booster un petit coup. Voilà, Justice, j'ai vu, gros. Tu m'as vu. Si vous... Ah là là, j'aurais bien aimé avoir un petit ISO, quoi. Non, 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 on va pas... Oh là 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 là, bien joué. J'ai un petit peu de réussite. J'essaie d'y aller, dommage. J'aimerais bien avoir des petites isolations, des fois. Je sais pas si... Mais je crois pas, en étant arrière, on peut pas en demander, c'est dommage. Il y a que en étant meneur qu'on peut demander à faire une isolation pour telle ou telle personne. Ah là là, le 7ème rebond, GG ça. Hop, je t'ai vu, Woody. Dans le money time, c'est... Oh là là. Oh oui, oh oui. Oui, les gars. Mais oui, mon pote, il est important, ce shoot. Il est absolument bizarre, mais il est important. 7 points d'avance et 8-20. Bien joué, ça. Peut-être le tir de la gagne. Défense, non. On défend bien. Il veut pas prendre... Il refuse tous les shoots, Gino, du coup. Je crois qu'il a peur de moi. On va au rebond. On y est, voilà encore. On s'est bien battu. Oh là, dommage. Il nous a pris le ballon des mains, Gasol, mais je sais pas comment il a fait. On s'est bien battu en tout cas, c'est dommage. 5 points d'avance. On coupe. Oh, dommage. Le petit écran qui passe quand même. Ah, c'était bien joué ça. Ça, c'était bien joué, les mecs. La petite passe des familles au passage. C'était un beau petit move. Hein. Le petit 1-2 comme ça, c'était pas mal. Allez, genre 50 secondes, 50 petites secondes. On va chercher la victoire. Interception, non. Encore. Oh, dommage la faute. C'est la combien? Ah, oh, c'est la 5ème sur la ligne. Ah, c'est. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Cette faute, elle est pas intelligente du tout. Loupe le deuxième, s'il te plaît. Voilà. Ok, il prend son temps de Justice. Il attend le chrono, il joue avec moi en tout cas. Je vous ai dit, dans le mode time, on fait vachement confiance. Encore une prise à deux pour changer. Ah, Justice, le tir de la gagne. Dommage.
C'était le tir de la gagne, même si je pense que là, vu le score qu'il y a, on l'a gagné. Quel le step back. Bien joué, attention. Ils font les fautes. Ils font les fautes, les mecs. On va essayer d'aller sur la ligne. On commence à être pas mauvais au lancer franc. Et si ça peut nous emmener au 20 points, ce serait cool. Ils font les fautes, voilà. Allez, mec, maintenant qu'on a demandé les fautes, qu'on assume. Et 2-1. Allez, on met le deuxième. Dommage. Presque parfait. Ah mais non, on fait faute encore. Mais non, je suis con. J'arrête le chrono en plus en faisant ça, quoi. C'est totalement bon pour eux. Il met ses deux lancers. Derrière, je stoppe le chrono pour lui. Ok, il m'a loupé. Oh yes, les gars, c'est bien joué ça. Oh, c'est bien joué ça. Et on a les deux lancers au final. Ah, oh, c'est bien joué. Il m'a loupé, il a loupé sa faute en fait. Il était trop rapide pour lui. Et 2-1. On met le deuxième, les mecs. Voilà, 2 sur 2, bien joué ça, 10 secondes. Ouais, 7 points d'avance, je vois pas comment ils peuvent faire, franchement. À part s'ils fassent une DeRozan, il y a un tir à 3 points juste à la fin du match, même s'il a été refusé. Donc, que je dis est un petit peu inutile. Enfin, je ne vois pas comment ils pourraient faire. En plus, on défend à peu près bien. Ils vont forcer les shoots externes, je pense. Voilà, ouais, c'est ce qu'ils vont faire. Le rebond, bien joué. Et on a gagné, les gars. Victoire 75-68 face au San Antonio Spurs. Les amis, match très difficile. On l'avait très très mal commencé, honnêtement. 22 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 petits contres. On avait très très mal commencé ce match avec une première mi-temps vraiment pas bien du tout, vraiment très mauvaise. Mais on a géré, on a bien assuré notre deuxième mi-temps, on a été clutch, on était bon dans le money time personnellement. Donc vraiment, vraiment, vraiment pas mal, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like des familles, partager les vidéos et vous abonner. Franchement, n'hésitez vraiment pas à partager toutes mes vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, un petit peu partout. N'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, en plus j'ai fait pas mal de concours, il y a pas mal de petits trucs, pardon, sympas qui vont arriver. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse. Sur la petite interview de fin de match, vu que j'ai fini MVP, c'était Paf, bus sur la FFS. Merci d'avoir regardé la vidéo. Peace! Hey, what's up, man? This is Kenny, man. Great going tonight with your scoring. Did you come into the game with the mentality of saying, you know what? I'm going to be more aggressive tonight? Man, you know, I mean, I'm just out there playing my game, and sometimes that leads to a lot of points, other times it doesn't. I guess I had a lot of opportunities tonight and was able to take advantage, so. There's not really much more to it than that. Well, yeah, man. If you keep up that mentality and you stay aggressive, I think that you'd have these opportunities more often. All right. Thanks a lot, man.